Bonjour, bienvenue sur Ternet. Nous sommes au CIMA, CIMA édition 2019, et nous sommes ici sur le stand Horsch. Je vais vous parler du pulvérisateur, du nouveau Lib AX. Je suis en compagnie de Mathieu Noroy. Mathieu, tu es chef produit pulvérisateur chez Horsch France. Que peux-tu nous dire de cette nouvelle série Lib AX ? Ce qu'on a voulu faire au niveau de ce pulvérisateur, c'était vraiment donc garder l'essentiel. L'idée, c'est d'avoir une sécurité donc pour l'utilisateur et quelque chose de simple à utiliser, mais aussi d'avoir vraiment de la précision en termes de guidage de rampe, comme ce qu'on connaît en fait sur les pulvérisateurs LEB, LT et GS. Pour cela, on a monté en fait sur notre machine exactement le même système de guidage, donc assisté avec des capteurs, et ensuite avec deux vérins qui vont venir régler donc mon contrôle de dévers, mais aussi ma hauteur. Et de manière totalement automatisée, bien sûr, sur cette machine. Mathieu, j'imagine que du coup, ça se répercute sur le prix de vente de la machine. On doit avoir une machine facilement accessible pour les agriculteurs ? Oui, bien sûr. Hein, l'objectif de Horsch, hein, c'était de pouvoir permettre un agriculteur, un céréalier par exemple, d'accéder à notre technologie en termes de guidage de rampe notamment, pour un prix et un tarif plus accessible, bien sûr, que ce qu'on a sur nos autres machines. Donc une machine accessible, sans compromis sur la sécurité et la qualité de travail, c'est la philosophie du nouveau Lib AX. C'est exactement ça, avec encore donc certaines options comme la flèche suiveuse ou la circulation continue qui vont nous permettre d'aller quand même aussi dans la précision en termes d'application. Merci Mathieu Noroy, et quant à vous, je vous invite à nous retrouver sur Internet pour d'autres reportages.